Allez, en avant. Je vois que ça commence à arriver. Bonjour à tous. Ouais, je sais pas si les panneaux solaires suffiraient parce qu'il faut maintenir la box avec tout ça. Ouais, j'espère qu'on va pouvoir faire une émission jusqu'au bout aujourd'hui. J'ai l'électricité qui a disparu et réapparu déjà 3 fois ce matin. Au début, on pensait que c'était les travaux chez un des. Chez un des voisins, et en fait, non, non, dans le quartier, il y a visiblement des travaux de voirie et des carrefours sans signalisation. Donc, je croise les doigts, ça c'est à peu près stable là, depuis une grosse demi-heure. Ouais, télétravail sans électricité. Alors, techniquement, tant qu'il y avait des coupures et que ça revenait, ça permettait au portable de se charger. Si je fais un partage de connexion avec le téléphone, ça passe, mais bon, c'est pas bien viable quand même. Et du coup, ben, je me laisse un petit temps avant de faire l'émission pour préparer un petit peu. Là, l'émission du jour, c'était du tout cuit grâce à Patrice qui, hier, a fait le grand étonné en découvrant qu'il y a plein d'environnements, plein de langages et tout ça. Mais moi, je ne pouvais pas prévoir que tu avancerais aussi vite en fait. Parce que Monsieur Patrice, qui soi-disant, je sais pas faire, je vais pas y arriver. Il est parti avec son kit ESP32, puis maintenant il achète des kits avec des micro-bits, et vas-y que je jongle entre les environnements sans souci. Donc on va essayer de faire un petit tour, alors je dis pas de tous, puisque j'ai pas la prétention de tous les connaître, et puis je les utilise de toute façon pas tous, des environnements en fait qu'on peut utiliser avec les petites cartes microcontrôleurs qu'on utilise. Je vais, je pense, essayer de faire principalement avec la carte micro-bits, parce que ça me permettra de vous montrer le premier petit montage que j'ai commencé à travailler dimanche avec l'adaptateur de chez Brandox Gadget, qui est vraiment génial, qui permet de brancher, je vais vous montrer, une carte micro-bits sur, alors sur une expansion board. Il y a aussi des prises de type, je sais pas comment ça s'appelle, mais qui ressemble, pour les servomoteurs en tout cas, où on a la masse, l'électricité et un signal. Et voilà, il y a un certain nombre d'éléments faits pour se clipser sur des plaques Lego et un scotch conducteur qui permet de faire les montages. Donc je vous montrerai ça à l'occasion. Donc oui, tu as raison, Vbox, de poser la question. Voilà. Alors Stéphane, est-ce qu'il va tout droit maintenant, je veux dire Patrice, ton robot, ou est-ce qu'il continue de tourner comme s'il était manchot et qu'il nageait avec un seul bras? On est tous intéressés de savoir où tu en es. J'avoue que j'avais pas fait gaffe à ça. T'as donc un écart entre les deux moteurs suivant comment tu envoies le même signal, et ça fait pas une trajectoire droite, c'est ça? Tu me diras ça, on essaiera de voir à l'occasion. Bah sans plus attendre, je vais vous faire un petit tour de tout ça. Alors je vais vous partager mon écran, bien sûr. Hop. Avec la bonne caméra. Oh, peut-être pas terrible quand même. Je vais revenir là et hop. Et ben tu nous diras ça, Patrice, quand tu auras le temps de régler les cerveaux. Au passage, j'en profite pour ceux qui utilisent Ecamm, ne faites pas comme moi, toujours tout vouloir bourrer sur la fenêtre d'à côté, comme un benêt. Évidemment que le logiciel est intelligent, les différentes fenêtres de changement de scène où je vois passer vos commentaires. Là, tout ce que vous voyez sur l'écran, c'est mon partage d'écran avec mes codes, les commentaires à gauche qui défilent quand ils arrivent, et ma tête en bas à droite. Et en fait, moi sur l'écran, j'ai toute la colonne, enfin tout ce que je peux rajouter comme fenêtre. De Ecamm Live, et il gère le fait de ne pas les faire apparaître évidemment dans le stream. J'ai été bien bête de ne pas utiliser cette fonctionnalité avant. Donc le premier outil que je vous montre, c'est MakeCode, que j'adore, que j'utilise essentiellement, et même non, MakeCode, cette version-là, c'est le MakeCode Microbit, donc uniquement avec les cartes Microbit. Ce que j'avais pas pensé, d'ailleurs, je vais peut-être le faire en même temps. Il faut savoir que MakeCode, c'est derrière, c'est un projet open source. Bah tiens, on voit en bas là, dans la fenêtre du bas, vous voyez les petites images. La personne que vous voyez sur la plupart des petits thumbnails là,
C'est Pelly de Halleux qui, je pense, doit être un des principaux responsables du projet PXT chez Microsoft, qui est la base de toutes les déclinaisons MakeCode qui existent. Quand je dis déclinaison, c'est qu'en fait, là, vous avez MakeCode, mais vous avez aussi Arcade MakeCode. J'ai fait un certain nombre de vidéos, vous pouvez aller les voir sur ma chaîne YouTube ou directement vous y êtes si vous regardez le replay sur la chaîne YouTube. Qu'est-ce qui se passe? Ça ne va pas charger évidemment quand je vais vous montrer ça. Bon, on y revient après. Arcade MakeCode, c'est un environnement qui ressemble au MakeCode de Microbit, bien sûr, avec des blocs. Je vais vous montrer directement le projet, voilà. Sauf que ici, au lieu d'avoir un simulateur avec une carte microcontrôleur, vous allez avoir une mini console qui, au départ, était entièrement virtuelle. Et je prends en même temps des notes de vous faire une émission là-dessus, puisque visiblement, c'est des choses que vous ne connaissiez pas. On peut aussi avoir moi j'ai des devices, des petits appareils qui ont les écrans, les boutons qui correspondent à une petite console et non pas une console uniquement virtuelle. Et on peut faire des jeux. Voilà, ça y est, c'est chargé. Voilà. Alors c'est pas mon profil, donc on va prendre un truc un peu au hasard. Dans les tutoriels, il y a trop de choses. Tac. C'est que du tutoriel. Je voulais vous montrer un jeu complet. Bah, tiens, hop, Flying Duck. Hop. Donc ça a vraiment la même tête que tout ce qui est MakeCode, normal, c'est le même moteur qui est derrière. Ouais, Arcade MakeCode, je trouve que c'est très sympa. Donc là, à gauche, là, la petite console que vous voyez, ben, voilà, il a lancé le jeu et il est terminé, mais peu importe. Ça vous permet de tester, donc il y a des raccourcis clavier qui correspondent aux flèches quand vous voulez simuler. Vous pouvez écrire votre jeu avec des systèmes de blocs. Je ne vais pas y passer trop de temps parce que je pense que vraiment je vais refaire une petite série d'émissions là-dessus. Mais surtout, une fois que votre jeu est terminé, vous avez la possibilité en fait d'exporter une URL où il y aura juste la console virtuelle. Et bah, vous pouvez envoyer ça à vos copains qui pourront jouer. Je parle aux enfants par exemple qui auraient écrit des jeux avec. Et vous pouvez partager vos jeux sans qu'il y ait aucun ni achat de matériel, ni achat de licence, puisque Arcade MakeCode est à la fois open source, libre et gratuit. Donc je trouve que c'est pas mal. Je vous en reparlerai parce qu'effectivement, je pense que ça mériterait qu'on fasse une émission avec Arcade MakeCode. Dans la famille des MakeCode, donc là c'était Arcade MakeCode. Est-ce qu'il y a un lien? Si, voilà, si je passe par le lien Microsoft, peut-être. Concevoir et coder, voilà. Je pense qu'ils vont tous nous les présenter. Donc là, on vous présente le fait que ben, il y a des versions pour les cartes de chez Adafruit également. Hein. Je sais pas s'ils listent tous les MakeCode sur cette page. Non, ça a pas l'air. Je vous ferai une liste parce que là, on va en rater. Donc il y a un MakeCode Microbit, il y a un MakeCode chez Adafruit pour leurs différentes cartes. Il y a Arcade MakeCode, il y a, j'ai perdu son nom, ça doit être Maker MakeCode qui permet d'utiliser d'autres types de cartes, notamment des cartes Arduino, et qui permet déjà de dessiner un petit schéma électrique et puis d'avoir le code qui va à côté. Bref, toute cette famille-là est vraiment impressionnante parce que ben on peut, avec une logique qui est très semblable et garder le principe des blocs, on va se retrouver. Ah tiens, le copier-coller marche aujourd'hui. Donc là, je vous ai mis le lien de Arcade MakeCode. Ensuite, je vous mets le lien. Si vous avez une carte Microbit, vous connaissez MakeCode. Et donc, on va y revenir. Là, je vous ai fait un. C'est un petit programme. Si je vous montre le montage, hop, c'est parti avec la Logitech. Donc, vous voyez, c'est ma carte d'extension de chez. Brandog Gadget qui en fait a des trous tout le long autour qui sont compatibles avec le format des blocs Lego, d'accord? Clipsé sur la partie gauche, j'ai un petit servomoteur qui est dans une coque qui est compatible elle aussi puisqu'elle s'est clipsée sur le bas, mais elle a aussi la possibilité ici de se rajouter. L'axe ici est également compatible. Et le truc intéressant, c'est que j'ai utilisé donc le scotch que vous voyez dans le sachet
qui est un scotch conducteur. Donc ici, ce que vous voyez là, la partie grise ici et puis là sur les côtés, c'est ni plus ni moins du scotch qui passe sur les blocs Lego. Quand on clipse avec la carte d'extension, ça permet de faire contact. Avec, il y a une série, je vous renverrai à la vidéo que j'ai faite de quand j'avais fait l'unboxing du kit de chez Brandogs. On a, voilà, c'est un potentiomètre, mais on a d'autres. Donc, il y a un cerveau, il y a des LED, il y a un tas de trucs, et on peut faire des montages. Je vais racheter du Lego juste pour ça, parce que là, la plaque est un peu petite, pour pouvoir faire des montages un peu plus complexes. Et malgré tout, donc, ce qu'on voit à l'arrière, ce que je vous disais, il y a des broches qui permettent de. Qui sont compatibles avec les triples broches des servomoteurs notamment, ou ici, j'ai pas eu le temps de finir, mais un écran, vous savez, à LED par segment, là, comme sur les radios réveil et choses comme ça. L'idée de ce montage, quand il sera terminé, pour l'instant, il y a juste cette partie avec le potentiomètre qui fonctionne, c'est-à-dire que si je tourne le potentiomètre, ça fait tourner en raccord le cerveau qui est à côté. Donc là, c'est le montage et je voulais vous montrer cette fantastique petite carte. Je pense que je vais vraiment m'amuser à faire du Lego avec tout ça. Je trouve que c'est génial de faire le lien. Ils ont d'autres cartes compatibles. Ils ont notamment, c'est ce qu'ils avaient fait en premier, je crois, une carte qui est compatible Lego. Dessus, il y a un Arduino Nano. Donc ça permet déjà de joindre deux mondes. Je me demande s'ils n'ont pas fait aussi. Non, ils vont faire peut-être avec une Raspberry Pi 0. Ça me semblerait logique. Et voilà, ça permet de mélanger de l'électronique classique et non pas aux normes Lego qui sont leurs propres normes, et de mélanger ça à tout le Lego. Donc voilà. Patrice, tu dis, j'ai d'ailleurs eu un peu de mal au début avec toutes les pages pour savoir par où commencer. Ah, tu veux dire la page d'accueil de mes codes? Celle-ci? Je laisse le petit temps de latence pour te laisser répondre. Alors, bah, sur la première page d'accueil, là, vous avez vu, j'ai fait des essais déjà. Il y a vos propres projets. C'est intitulé Mes projets, hein, c'est indiqué. Après, il y a toute une partie tutoriel qui vous permet en fait d'avoir à la fois un guide avec des messages qui vont apparaître au fur et à mesure pour vous dire ce qu'il y a à faire. Oh, c'est pas le bordel, non, mon bureau. Franchement, ce que vous voyez, c'est pas le pire. Hein. Mais oui. Alors, attendez, je vous repartage parce que voilà. Donc la page d'accueil. Mes codes Microbit, je pense que c'est de ça dont tu parlais. Ouais. Donc là, il y a la partie donc mes projets, qui sont tous les projets que vous avez ouverts. Là, celui-ci, là, c'est celui qui est ouvert dans l'autre page là, que je vous ai montré. La partie tutoriel, c'est quelque chose qui est guidé, où on vous demande pas à pas de faire des actions en même temps que vous avez l'éditeur mes codes ouverts. Ici, ce sont des petites vidéos que, alors essentiellement, Peli a fait. Faites, pardon, mais il y a d'autres personnes aussi. À une époque, ils étaient ouverts aux contributions. Je pense que ça va toujours être le cas. Ensuite, on a des programmes qui sont à la fois, si on clique dessus, ben, on peut démarrer. Pour certains, il y a un tutoriel. Alors, on a plus le choix de faire le tutoriel en programmation par bloc, Python et JavaScript. On va y revenir tout de suite. On a une leçon vidéo et on peut aussi lancer le jeu en lui-même. Vous voyez, ça continue comme ça, c'est les classifications, c'est vrai que c'est un peu le bazar, mais c'est les types de cours et de vidéos qu'on vous propose chez MakeCode. Donc voilà. Alors, le truc qui avait fait bondir Patrice quand il l'a découvert et que effectivement moi je trouve très très intéressant, c'est que. D'accord, je vois ce que tu veux dire. Ben, je vais le montrer en même temps. Oui. Même quand on arrive là, c'est vrai qu'il reste encore une petite complexité qui, en l'occurrence, pour ceux qui n'ont pas suivi ce qui s'est passé sur Twitter, donc Patrice a fini par réussir à mettre la main sur le kit que je vais vous montrer. Je suis bête, je l'ai. Le kit de chez Kitronic, qui s'appelle le Kitronic Move V2 d'ailleurs. V2 avec une carte, voilà. Hop. Une carte Microbit V2. Donc c'est un petit robot de base avec la capacité avec des, je sais pas si on les voit pas, montrer par là. On a des, ups, des servomoteurs à l'intérieur, un bloc de piles pour qu'il soit autonome. La carte sur laquelle on vient simplement visser, vous voyez les vis en bas.
On visse la carte micro:bit dessus. Elle permet de faire l'interfaçage avec le bloc d'alimentation par pile. Il y a un petit interrupteur pour allumer et éteindre. Ici, vous avez 5 sur le dessus, les petits blocs blancs là, ce sont des petites néopixels, donc des LED multicolores. Et bien entendu, on a encore accès à la micro:bit elle-même. Donc ce kit que je vous avais présenté et qui avait fait envie à Patrice, il a fini par le trouver. Je t'ai pas demandé où tu l'avais acheté d'ailleurs, si tu peux nous dire, parce que chez Kitronic, je crois que c'était encore en galère. Et quand on reçoit le kit, on a les instructions d'assemblage dans un petit livret en anglais que je trouve plutôt bien faite. Et au fur et à mesure des étapes, on vous indique ce qu'il faut faire avec mes codes. C'est-à-dire qu'on fait une vérification de la carte micro:bit, une vérification de la carte d'extension, voir si elle marche. Après, je crois qu'il y a un test aussi avec les servomoteurs pour les calibrer. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Et donc, ce que Patrice dit, c'est que bah, il y a une complexité dans l'utilisation que je trouvais plutôt expliquée, mais peut-être qu'il y a, ouais, j'ai l'habitude, alors peut-être que j'ai zappé, que ce soit pour le kit Kitronic ou d'autres kits. Par exemple, ici, j'ai rajouté dans mon montage que je vous ai montré un petit écran LCD, pardon, oui, on peut dire LCD avec des segments. Par défaut, mes codes ne le connaissent pas. Et vous voyez la partie là que j'ai ici qui s'appelle TM1637, c'est une extension supplémentaire à mes codes parce que mes codes est extensible, on peut lui rajouter les extensions. Ok, t'es passé par Gotronic, ils avaient du stock, Patrice, pour le kit Kitronic que je vous ai montré. Kitronic est en difficulté là, il essaye de régulariser ses exportations, je pense. Donc le système d'extension de mes codes est très intéressant. Vous pouvez même écrire vos propres extensions. Il faut déjà connaître un petit peu le développement. Alors c'est une extension en TypeScript, hein, c'est du TypeScript. À l'occasion, je pourrais vous montrer aussi ça. Vous allez dans par défaut, vous avez un écran qui est comme ça, sans le TM1637. Vous allez dans la partie avancée, vous cliquez sur extension et là, il y a déjà un certain nombre d'extensions disponibles. Vous pouvez les rajouter si vous les avez développées en local. Ici, on voit par exemple au milieu le bloc à rajouter. Si on clique ici, il vous le rajoute. J'ai cliqué et vous allez avoir, voilà, il recharge. Ici, vous voyez, j'ai un truc qui s'appelle Servo Lite, qui ne me sert à rien pour l'instant parce que je ne suis pas en train de programmer une carte qui utilise le kit, mais ça vous rajoute des blocs. Et accessoirement, derrière, pour la partie MicroPython, il y a aussi les librairies qui sont rajoutées. Donc là, bah, par exemple, moi j'avais besoin de l'écran, c'est ce que j'ai pas fini de développer, et il vous met les librairies supplémentaires. Donc là, rapidement, ben, mes codes est quand même, c'est pour vous montrer que c'est quand même bien avancé. On a un bloc démarrage et un bloc toujours qui va être répété, qui est assez classique si vous avez fait du arcade mes codes ou du scratch, peu importe. Qui vous permet là ici d'appeler donc le bloc toujours, il fait un appel à une fonction parce qu'on peut définir des fonctions avec mes codes pour quand on veut répéter. Là, c'est pas très utile, mais c'est si vous aviez plusieurs usages d'une fonction qui pilote un servomoteur. Et il y a vraiment des fonctions que je trouve on peut aller relativement loin en programmation par bloc. Parce qu'il faut savoir que ici, ce qui se passe, c'est que le bloc rouge que vous avez au milieu, où il y a marqué cartographier, lire la broche analogique P4, ça veut dire qu'on va lire la valeur de la broche P4 sur mon montage qui correspond en fait à la lecture de la valeur du potentiomètre, d'accord? Et cette valeur est passée à une fonction qui est très intéressante dans MakeCode, qui va vous faire le lien entre les valeurs qui sont reçues, puisque c'est une broche analogique, et on va les mapper sur des valeurs qui vont être mises en sortie, qui vont correspondre à ce qu'on va pouvoir utiliser sur le servomoteur. On en refait un usage ici là pour mapper les valeurs hein, qui vont entre 0 et 270 ce type de servomoteur en tout cas. Bon, il y a plein de petits codes autour. J'étais en train d'essayer de débugger pour bien comprendre si mon écran allait marcher, pas marcher. On a des variables, on a plein de choses. Peu importe, c'est pas l'objectif de ce que je voulais vous montrer. Ce que je voulais vous montrer, c'est qu'ici, dans mes codes, on a le choix de programmer par bloc, mais on a aussi le choix de programmer avec du JavaScript. Alors il monte un peu parce qu'en fait c'est du TypeScript à l'arrivée. Mais si je vais cliquer sur Python, vous voyez, j'ai basculé dans le mode Python. Je conserve le simulateur sur la partie gauche. Je conserve les mécaniques de téléchargement de mon programme sur la carte micro:bit. Mais là, bah, tout à coup, on est passé du mode bloc au mode micro:Python.
Dans la mesure du possible, si vous commencez à coder dans la partie Python, il va essayer, si je reclique sur bloc, de revenir dans la partie bloc et de vous le retraduire. S'il a un problème, il va vous le dire. Si vous en êtes à ce stade, c'est que vous allez modifier des petites choses. Des choses qui peuvent être, quand vous avez un petit peu plus de blocs et que c'est compliqué, je ne sais pas, vous avez une variable, tout à coup, vous voulez la changer. Il y a normalement le rename dans bloc, mais dans certains cas il bloque. Bon, ben, c'est aussi facile ici de faire du. Vous voyez, j'ai sélectionné une variable, elle est indiquée de partout. C'est quand même plus facile d'aller changer. Là, on peut changer toutes les occurrences, par exemple, si je veux renommer. Voilà. Il me l'a changé, pardon, j'ai fait une bêtise. Hop. Voilà, on peut éditer. Le texte, on a les fonctionnalités d'un éditeur de texte qui sont plus simples que si j'étais dans les blocs. Et après, je peux revenir au bloc. Voilà. Il m'aura modifié la variable af numéro maintenant. Donc c'est intéressant, mais c'est aussi intéressant si vous voulez vous lancer de manière pas trop compliquée avec pas d'autres outils que cet éditeur finalement disponible sur un site web. Ben, vous pouvez attaquer, coder votre carte micro:bit avec Python. Je vous montre pas JavaScript, ça m'intéresse pas de coder en JavaScript personnellement, mais vous avez l'équivalent pour JavaScript. Donc voilà Patrice ce que tu as découvert l'autre jour. En sachant que ça vous enlève une partie de la complexité qui est que si vous codez en Python, ici en fait par derrière le code qui va pousser lui, il a déjà connaissance d'un certain nombre de choses qu'il vous masque. Par exemple, vous avez un objet qui existe, qui va représenter tout le brochage de votre carte. Il importe les librairies nécessaires. Il vous cache une partie de la complexité. Malgré tout, on peut également. Donc, je ne sais pas si ça va marcher si j'ouvre tout en même temps. Il y a un autre outil que je trouve génial de mon ami Josh, un jeune anglais dont je vous ai déjà parlé, qui était venu à Mixit. Qui s'est mis à développer en Python, qui a trouvé que la communauté lui avait beaucoup donné et que pour donner en retour, et comme il savait que c'était difficile pour ses copains parfois de taper du Python, il a lancé un système qui permet de coder en Python. Mais dans un premier temps, on va coder. Voilà, je vais vous lancer, comme vous avez vu, il y a plusieurs modes. Hein. Je vous fais la chose à l'envers, mais il y a un mode pour la carte micro:bit. L'intérêt, c'est qu'on va coder sans taper dans un premier temps. Ça évite de faire les erreurs de frappe. Donc, je peux commencer à assembler des éléments de ce type-là. Je ne sais pas, par exemple, utiliser voilà, l'écran. On va avoir cette possibilité-là. Et j'ai perdu. Voilà. Et ici, si je clique sur bloc, on va se retrouver comme tout à l'heure dans mes codes, pouvoir osciller entre la partie bloc. Et la partie Python, si ce n'est que là, on est vraiment sur le code MicroPython complet avec les imports nécessaires. Donc ça peut être intéressant si vraiment vous voulez pas vous occuper du reste, mais vous voulez un éditeur MicroPython qui soit un peu sympa et qui n'ait pas besoin de l'installer sur votre machine encore une fois. Là, on est toujours sur un site web. Après, vous pouvez vous déconnecter, il garde dans le cache de votre navigateur, ça marche tout seul. Je trouve que c'est quand même pas mal. Alors, nous avons Patrice qui dit, en plus, tu as le tuto en bloc et en Python. Oui, dans la partie, ce que je vous ai montré tout à l'heure, effectivement, tu as raison. La plupart des tutos, pas tous, mais la plupart, je pense que tu as dû faire celui-ci, voilà. On peut le démarrer pour l'apprendre avec la version bloc, la partie Python ou la partie JavaScript. Ça va s'adapter. Donc, je trouve que c'est vraiment bien fait. Chez du bloc, on a aussi des tutos. Si on revient là, il y a tout un portail que Josh a développé qui est dans la partie Learn ici. On va avoir soit des cartes qui vont vous proposer des petits exercices par thématique, soit il a proposé un certain nombre de tutoriels sur une plateforme là, avec des guides qui vous permettent d'essayer le mode Python 3, le mode, donc c'est les différents modes. Hein. Là, c'est le mode Python classique, hein, comme vous développeriez sur votre machine. Vous avez le mode pour la carte micro:bit, le mode pour Raspberry et le mode très intéressant aussi pour toute carte compatible avec Circuit Python. Par exemple, la carte Pico, pardon, la carte Raspberry Pico que je vous ai montré l'autre jour, on peut la coder avec le mode Circuit Python ici. Donc c'est intéressant parce que ben,
Vous pouvez commencer avec MakeCode. Vous voulez garder cette notion de bloc quand même dans un premier temps pour vous rassurer, bah vous passez par EduBlock. Si EduBlock vous avez envie de pousser, vous pouvez aller jusque dans la partie Python 3. La partie Python 3, c'est vraiment du Python que vous allez pouvoir rencontrer pour faire des vraies applications. Il n'y a pas de souci là-dessus. Si je passe en mode classique, voilà. Dans ce mode-là, si je fais run, ce qui est intéressant, c'est que là, il n'y a pas de carte, mais il y a un partenariat qui a été fait avec la plateforme Trinket, qui va exécuter. Vous avez toujours rien installé sur votre machine, vous voulez faire du développement Python, vous ne savez pas comment vous y prendre. Vous partez du site web et du blocks, vous tapez votre code en bloc ou en code texte, et quand vous lancez, vous allez vous retrouver avec une exécution qui a lieu chez Trinket. Donc là, je pense que c'est même l'étape d'après, si vous voulez vraiment apprendre à développer. Oui, c'est entièrement gratuit. Pour la partie EduBlocks, moi, ce que je fais déjà depuis quelques temps, pour plein de raisons, en plus de EduBlocks, parce que je trouve que Josh est un jeune qui mérite qu'on le soutienne, il a un Patreon. Donc, je me suis abonné à son Patreon pour lui donner un peu d'argent tous les mois. Donc, on peut faire ce choix, mais par défaut, oui, c'est quelque chose que je peux utiliser, par exemple, en toute tranquillité, quand je fais les ateliers avec Mixtine ou quand je fais mes vidéos, parce que je sais que j'impose pas de contraintes. Donc que ce soit tout ce qu'on a montré jusque-là, MakeBlock, ArcAt MakeBlock, enfin toute la famille, c'est entièrement gratuit. Je pense que tu n'étais pas là quand on a montré tout à l'heure la partie arcade MakeCode, qui est un éditeur basé sur les technos Microsoft PXT, qui permet d'avoir une petite console virtuelle. On peut même avoir une page dédiée où on n'a même plus d'éditeur, on a juste le jeu, on peut l'envoyer à des copains. Donc tout ça c'est gratuit. Et du Blocks, c'est gratuit. Le lien qui est fait depuis EduBlocks dans Trinket, c'est gratuit. Après, je vous invite à aller regarder Trinket, ils ont aussi des tutos pour aller plus loin, là vraiment dans la partie apprentissage de Python. Donc je trouve que c'est vraiment bien foutu. La partie de EduBlocks aussi. Alors là, est-ce que. Ah non, j'ai pas de Raspberry connecté. La partie Raspberry permet de coder en utilisant les particularités de la Raspberry. Hein, Ah oui, c'est ça, ouais. Donc là, ça développe, mais il faut avoir sur son réseau local sa carte Raspberry. Donc je pourrais pas vous le montrer aujourd'hui, là, j'ai pas. Et en fait, oui, mais je sais que tu n'es pas débutant dans tout ça, Canoa. Mais oui, on peut très facilement guider les gens qui voudraient attaquer du Python. Franchement, démarrer dans EduBlocks, ça leur permet de pas se prendre la tête avec la syntaxe, qui est des fois un peu complexe. Alors on se pose quand même des questions hein, quand on est dans EduBlocks. Moi aussi je suis un jeune qui apprend, tu peux pas me donner un peu d'argent tous les mois, mais bien sûr mon Patrice. Je te donne plus que de l'argent, je te donne de mon temps et de mon amour. Donc quand on est avec l'outil ici là. Moi, ce que je trouve vraiment bien, c'est que on va avoir une assistance. Par exemple, quand on regarde ici, je sais pas si je vais faire le test complet, mais voilà, si je vous mets pour afficher, par exemple, toc, comme ça, mine de rien, on va aller jusqu'au bout, on va aller hop, hop, tac, voilà. Là, en trois drag and drop, j'ai fait un import. De librairie MicroPython sans avoir à me rappeler est-ce que je fais import et puis le nom de la librairie ou est-ce que je fais un from le nom de la librairie puis import de quelque chose. Il y a déjà cette assistance. Ensuite, j'ai fait appel à une fonction sur l'objet display sans me prendre la tête comment on passe, c'est une flèche, c'est un point pour appeler la fonction. Là, on me rappelle qu'il y a les parenthèses, il y avait le paramètre, j'ai drag and droppé. Ça, c'est quelque chose qui est prédéfini pour vous. Si on regarde après dans cette partie-là, ben il n'y a pas de typo possible et en même temps on peut continuer, si je veux continuer à travailler ici, je peux continuer à taper du texte. Voilà, je veux dire, il y a tout ce qu'il faut. Je ne sais pas s'il y a la complétion, il n'y a peut-être pas la complétion actuellement où j'ai pas activé. Non, il n'y a pas la complétion. Ça manque peut-être, ça tient. Si déjà je peux rajouter la complétion, ça serait encore mieux. Donc oui, à un débutant, moi je conseille sans souci. Alors suivant les âges, ça pourrait être intéressant de démarrer uniquement, je sais pas, peut-être même avec Scratch éventuellement, parce que là on a aussi ce côté-là.
Si c'est un peu plus grand et qu'il y a une carte micro:bit, moi je trouve ça génial avec la carte micro:bit parce qu'il y a quelque chose de concret, hein, il y a un objet qu'on peut avoir dans les mains et qui montre qu'on en a fait quelque chose. On peut aussi utiliser Arcade MakeCode. Je ferai une émission sur toute la partie Arcade MakeCode parce que derrière il y a des petites consoles soit carrément à souder, donc on peut rentrer dans l'électronique et apprendre à souder une petite console. Il y a des kits qui existent, on peut acheter des choses toutes prêtes qui sont compatibles. Moi, je trouve que la gamme est vaste. Voilà, on peut commencer donc Scratch, MakeCode, EduBlocks. Après, quand on a rebondi avec EduBlocks, on a découvert Trinket. On n'a toujours rien installé, on peut aller sur une Trinket qui permet d'aller jusque dans des petites interfaces. Ça peut aller plus loin. On peut également, il y a d'autres outils que je trouve intéressants que j'utilise assez souvent avec les microcontrôleurs, mais qui font plus que ça. On a par exemple le Mou Editor de mon ami Nicolas Tollervé, entre autres, puisqu'il n'est plus tout seul, ils sont plusieurs à contribuer. Donc ça se présente sous cette forme. Donc là, bah, le bout de code que vous voyez, c'est je suis en train de regarder. Voilà, j'attaque faire du code, toujours avec ma M-Stack M5 Paper, hein, celle qui a un écran en ligne pour faire une petite station météo. Donc j'ai retesté là le mode. Voilà. Ici, c'est quand j'avais fait un test qui marche hein, d'ailleurs avec elle est branchée, donc là ça va fonctionner. L'éditeur Mou a été conçu pour un besoin à la fois le plus simple et le plus complet, c'est paradoxal, mais d'avoir le minimum vital qui peut être utile à un enseignant ou à quelqu'un qui fait un atelier avec des enfants, la cible c'est vraiment ça, ou des grands débutants, de ne pas surcharger l'interface. Nicolas ça fait plein de talks là-dessus, je vous mettrai peut-être des liens d'ailleurs. Si vous pensez être à l'aise avec Mu Editor, il encourage à aller vers d'autres éditeurs. Je ne sais pas, on peut en parler d'ailleurs après, VS Code ou PyCharm ou je ne sais quoi, pour faire du Python dans un environnement plus professionnel à la limite. Mais là, pour un début, Mu Editor, il a plusieurs modes, comme tous les outils que je vous ai montrés là, c'est ce qui est intéressant, qui sont avec le temps étendus. On a le mode que j'utilise là pour la carte micro:bit. On a le mode circuit de Python pour toutes les cartes, moi que j'utilise aussi de chez Adafruit notamment, mais d'autres aussi. J'ai pas encore testé, mais je pense que ça marche aussi avec la Raspberry Pico. Si vous avez une carte en ESP8266 ou ESP32 qui marche avec MicroPython, Patrice par exemple, la carte, toi, le kit, il expliquait comment ça marchait avec Tony, qu'on va voir juste après, mais ça marche aussi avec MuEditor. Ensuite, on a aussi le mode, si vous voulez faire du code Python, le mode Python 3, là. Et vous avez également PyGame0 qui permet de coder des jeux avec une librairie qui vous facilite le travail, qui est PyGame. Et PyGame0 est une couche par-dessus PyGame pour faire des choses encore plus simples. Et enfin, on peut construire, il y a un mode qui permet d'utiliser le framework Flask pour avoir comme un petit site internet qui tourne. Donc pareil, je peux vous mettre des liens, mais il y a des tutos là-dessus. Donc avec le même outil, on peut débuter avec sa carte micro:bit jusqu'à faire des petites applications. Donc ce qui est intéressant là, si je reste sur le monde des cartes microcontrôleurs, c'est que je peux donc créer des fichiers, je peux charger des scripts. Alors en fonction des cartes, ça ne marche pas toujours, mais là par exemple, je peux charger dans le mode avec la carte micro:bit, ça va chercher sur ma machine. Là, c'est pas sur la carte micro:bit. Pour les ESP, ça va chercher sur la carte ESP. Ou alors, on peut enregistrer ici pour mettre l'application sur la carte. Dans le cadre de la carte micro:bit chargée et enregistrée, ça sera uniquement sur l'ordinateur. Lancer va gérer pour vous le fait d'envoyer le code sur la carte micro:bit. Fichier. Ouais, c'est ça. Fichier ne marche pas avec la carte micro:bit dans cette version et sur un macOS. Mais ça marche sur d'autres pour d'autres systèmes. Alors là, je le recoupe. On a ça, c'est plus intéressant. Hein, j'ai fait le couillon en faisant le mode. Là, j'ai mis le bazar. Voilà. Hop. Je pense qu'il s'est perdu là. Hop. Voilà, je me suis mis en mode ESP. Bien fait pour moi. Tac. Je me remets en mode micro:bit et je me mets sur le Ripple de la carte micro:bit si elle veut bien. Je suis en mode alpha pour info là le Mu Editor, c'est j'ai fait des petits tests pour la carte Pico. Il y avait besoin d'être en mode alpha
Et là, je me suis mis le bazar tout seul, j'ai l'impression. Merde, c'est ce que je voulais vous montrer là, c'est quand même dommage. Attendez, on va faire ça vite fait. Hop. J'ai largement débordé et j'ai pas fini l'émission. J'ai encore de l'électricité, je continue. Tac, il est bien en mode microbit. Oui, il gueule pas, c'est qu'il l'a vu. Et ça serait sympa qu'il me mette le mode Ripple, il veut pas. Mince. Donc le mode alpha ne marche pas avec le Ripple, merde. C'est dommage parce que ça fait un mode interactif où vous avez votre. Comme dans Tony, Patrice, si tu te rappelles. D'ailleurs, on va passer sur Tony, comme ça je vous montrerai avec Tony. Mais vous pouvez taper du code directement dans cette partie pour expérimenter. Et c'est sympa. Mince, c'est dommage, je voulais vous montrer différentes choses. On a une partie graphique ici qui, en fait, par convention, si on émet sur le port série depuis la carte en question un tuple de valeur, il va vous dessiner ici en temps réel un graphe qui correspond. Bon, tant pis pour moi. On a quand même de quoi vérifier que le code ne contient pas d'erreur. Donc s'il y a des erreurs ou si c'est pas comme il s'attend, il vous le signale. Là, il va avoir plein d'erreurs parce que je suis en mode ah, c'est peut-être ça, j'étais pas avec un fichier qui était compatible. Non, il n'y a pas de raison. Bon, mais je suis dégoûté, le mode alpha ne marche plus sur mon Mac, c'est dommage. Et enfin, ici, c'est pour faire une petite mise en forme de votre code source. Donc il y a vraiment tout ce qu'il faut pour démarrer avec Mu. Le dernier que je voulais vous montrer, c'est Tony, que Patrice connaît avec les ESP. Alors Patrice Carmouze ou Jérôme Bonaldi, hein, suivant vos références. Donc Tony, on peut faire du code Python, du code MicroPython, du code Circuit Python, Microbit et autres. Ça passe tout par le fait que Tony, dans son usage, permet de sélectionner l'interpréteur Python que vous voulez utiliser. Donc on peut utiliser un interpréteur local installé sur la machine en Python, distant si on se connecte à une machine distante. Là, on a les différents modes. Donc, moi, je l'ai beaucoup utilisé ces derniers temps parce que je testais avec la Raspberry Pi Pico. Avec Patrice, on a beaucoup utilisé le mode MicroPython ESP32. Et si tout va bien, on croise les doigts, il y a le mode MicroPython. Alors, je crois qu'il faut faire stop à chaque fois, sinon il se perd en route. Device is not, is busy. Il a décidé de me faire pop-pop-pom. Hein. Aujourd'hui, c'était décidé que les démos, ça allait pas le faire. Hein. C'est dommage. C'est con quand même. Donc j'ai un truc sur la carte peut-être. Je vais essayer de la débrancher. À l'instant. Hop. Donc là, pour pas qu'il y ait de parasitage avec le code et le montage que j'avais fait, je l'ai carrément débranché. Ah si, je crois que je sais ce qui se passe depuis tout à l'heure comme un embrouille. Alors une petite seconde, je vous explique la magie magique après. C'est quand on en a besoin qu'on n'en a plus. Voilà, si. On va y arriver. Croisons les doigts. Donc là, ce que je suis en train de faire, en fait, je me demande si, en tout cas pour Tony, ça doit être ça. J'étais passé avec une Microbit V2 et puis j'ai peut-être pas la version. Voilà, c'est ça. Donc la Microbit V2 n'était pas, ça collait pas avec le Tony que j'avais. Donc quand je vous parlais tout à l'heure, pas du tout, c'est pas ce que je voulais faire. Exactement pas ce que je voulais faire. Voilà. Donc je voulais vous montrer tout à l'heure avec Mu. Je réessayerai peut-être après. L'intérêt d'avoir le Ripple, la partie Ripple, c'est qu'ici on peut vraiment tester. Ben, tout ce qui est disponible. Voilà, je peux faire des imports, je peux faire comme tout à l'heure un test. C'est vraiment de l'action en direct. Ça va, t'endors pas Patrice, c'est reparti, réveille-toi. Donc ça permet, ici vous voyez que dans le cadre d'une carte Microbit, il voit les fichiers de la carte Microbit. Une carte Microbit, il n'y a pas là surtout celle-ci par défaut. On voit le main.py qui va correspondre au code qu'il exécute. Donc là, si je charge, vous allez vous retrouver avec le dernier code que j'ai poussé. Il y a un bazar pas possible, là, vous voyez. C'est ce que j'avais chargé sur cette carte. C'est le code
En fait, sur la carte que j'ai poussée quand je vous ai montré l'autre jour avec Gypsy, qui permet avec la carte Keytronic Servo Board de piloter. Voilà. Donc c'est quand même intéressant aussi avec Tony. Donc là, vous pouvez choper des fichiers en local. Là, c'était un autre essai que j'avais fait avec la carte Pico. Et ben voilà, c'est un autre outil que vous pouvez utiliser. Je vous mettrai. Alors, hop, si je vous prends Mu. Voilà, je vous mets le lien vers Mu. Si vous voulez essayer Tony. Donc pareil, hein, pour peut-être. Il faut quand même avoir un petit quelque chose à côté. La page explique comment installer, mais il faut quand même savoir où on va un peu par rapport aux débutants que tu citais tout à l'heure à Canoa. Mais ce sont des outils à la fois open source, gratuits et libres. Rapidement, je vous montre que là, je ne l'ai pas installé parce que je n'utilise pas en ce moment. Mais si vous avez l'habitude d'utiliser l'éditeur VS Code, qui est vraiment bien foutu pour tout ce qui est Python, il y a une extension. Pour circuit de Python qui permet de d'interagir avec la console, la serial console, qui permet d'avoir les librairies, enfin, qui est pas mal faite. Et un autre outil, mais qui mériterait aussi qu'on passe plus de temps, qui s'appelle AirShell. Là, faut déjà rentrer dans la phase où vous avez Python sur votre machine. Vous installez le module, c'est ce qu'on vous montre ici dans l'installation, pour ceux qui n'ont jamais vu du Python, l'utilitaire pip ou pip 3, si c'est pour Python 3. Encore que maintenant, les deux peuvent être. Bref, on peut avoir pip pour du Python 3. On va installer un module qui s'appelle AirShell. AirShell, l'intérêt, c'est de se connecter à la carte dans un mode pareil interactif, mais d'avoir en même temps intégré à AirShell des opérations qui permettront, par exemple, de copier des fichiers dans un sens et dans l'autre. Donc, c'est, je l'utilise beaucoup avec les cartes ESP, notamment. C'est pas mal. Et là, j'ai vu que c'était possible aussi de l'utiliser avec la Pico pour installer les librairies. Je trouve que c'est super pratique pour celles qui sont en MicroPython. MicroPython n'étant pas comme circuit de Python quelque chose qui apparaît comme une clé USB. C'est quand même, vous avez besoin de manipuler des fichiers parce que vous rajoutez par exemple des librairies ou par exemple dans mon cas avec la M5 Paper, là je veux rajouter des icônes pour la météo, rajouter les librairies qui me permettent d'aller interagir avec. L'API distante, bon bah là il faut que je puisse copier des fichiers dessus, c'est quand même vachement pratique. Donc c'est déjà un peu plus avancé, mais ben, ma foi, c'est pas mal. Donc là je vous montre rapidement, là, hop, j'avais mis de côté la page avec un projet chez Brown Dog Gadget, hein, je vous rappelle ce que j'ai utilisé tout à l'heure pour les Lego. Et je pense qu'on a fait le tour, hein, d'un peu tous ceux que j'utilise plus ou moins régulièrement, dans les moins réguliers mais que j'ai eu utilisés. Bah, c'est plus des outils que j'utilise moins quand je travaille et que je code des applications en Python. J'utilise PyCharm, qui est un éditeur de chez JetBrains, je cherchais le nom, pardon, qui fait aussi IntelliJ pour le monde Java, en tout cas les JVM. Bon, bah, PyCharm, il est possible de l'utiliser avec quelques petites conditions. On arrive à interagir avec certaines cartes microcontrôleurs, on peut faire des choses aussi. Mais bon, c'est moins courant. Et puis, je suis sûr qu'il existe d'autres éditeurs que je ne connais pas. Et puis, le monde des éditeurs, par exemple, à base de blocs, il y en a plein en fait. Il y en a plein d'autres. Souvent, ils ont été créés sur la base de toute la partie Blockly qui vient de chez Google, hein, qui permet d'avoir une transition entre un code que vous voulez compiler derrière pour envoyer à une carte et quelque chose de visuel. Mais voilà, je pense que j'ai fait le tour de ceux que je connais quand même un peu et que j'utilise. Plus ou moins régulièrement. Donc voilà, au risque de me répéter, essayez du Blocks si vous avez des débutants qui veulent tenter de franchir le cap et d'essayer de se lancer dans Python. Je pense qu'ils ne regretteront pas. Puis, bah, tous les autres sont intéressants. Hein. Chacun son intérêt. Patrice s'est très bien habitué à Tony. Hein, il vous le dit, Tony facile. C'est bien foutu. On peut. Dans la partie haute, on naviguait dans les projets, par exemple là, le kit qu'on utilise avec Patrice, ils fournissent un repository GitHub, ils expliquent comment récupérer tous les fichiers. Bon, ben, on a plein d'exemples qu'on peut naviguer de manière locale. En dessous, on va pouvoir accéder à ce qui est sur la carte elle-même, donc balancer des exemples tout faits pour voir comment ça fonctionne ou balancer son propre code. On a la partie interactive avec le REPL, donc ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Sinon, pour plus simple, le Mu Editor pour.
pour des enfants plus jeunes qui ont tendance peut-être des fois à, même nous, hein, à se perdre dans trop de menus, bon ben, Mu Editor pour démarrer, de bonnes grosses icônes qui identifient bien clairement ce qu'on doit faire avec. C'est pas mal aussi. Donc voilà, j'espère que je vous ai fait découvrir des choses. J'espère que vous avez eu le temps de manger parce que moi non. On a gentiment débordé, mais j'étais tellement content d'avoir de l'électricité et de vous avoir un lundi, donc j'y suis allé. Et ben je vais vous souhaiter une bonne journée. N'hésitez pas à m'écrire sur mon compte Twitter. Il faudrait que je prenne l'habitude de vous le mettre en fin de live pour que vous le voyez. Bravo à ceux qui rusent en mangeant avant ou qui mangent pendant, parce que je sais qu'il y en a qui mangent pendant, vous avez bien de la chance. Voilà, n'hésitez pas à me contacter sur Twitter. Hein. Mon compte Twitter, je vais vous le mettre là, c'est Titimobi. C'est généralement moi. Hein. Si vous voyez passer Titimobi, il y a des chances que ce soit moi, quelle que soit la plateforme, vérifiez. Mais si vous voyez la vidéo en replay, n'hésitez pas aussi à mettre toute question que vous pourriez avoir autour de ces environnements. Si notamment ça vous intéresse, toute la famille des MakeCode et autres, qu'on creuse un peu, que je vous montre Arcade MakeCode ou la partie Maker éventuellement. Voilà, comme a fait Patrice, on déclenche une discussion de quelques tweets, ça peut faire le sujet d'une émission. Et puis je vous rappelle et je vous invite à contacter Patrice sur Twitter aussi. Je le laisserai balancer lui-même son pseudo Twitter. Je lui signale qu'il doit me donner ses créneaux horaires disponibles pour qu'on puisse l'inviter à l'émission, qu'il vienne nous parler de toutes ses expériences à la fois avec son kit ESP32, avec son kit Ronic, et puis qu'il nous parle modélisme. Donc Patrice, la balle est dans ton camp. J'attends la date pour une prochaine émission dès qu'on pourra. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie d'être passé. Si vous regardez la vidéo, bah bien sûr, n'hésitez pas à vous inscrire pour avoir des petites notifs quand je pousserai les prochaines vidéos. Bon bah là vous êtes en direct, vous êtes la plupart inscrits sur le Twitch. N'hésitez pas non plus, ça vous permet de savoir quand je déclenche. Un live, je pense que je ferai du live coding bientôt. Là, j'ai un casque qui me permet de filtrer les bruits de la pièce sans gêner ceux qui sont aussi dans la pièce avec moi. Donc, on pourra se faire des sessions. Et voilà, Patrice, @Patrice Jouve, si vous voulez lui mettre la pression pour qu'il donne ses dates pour qu'on puisse faire une émission avec lui. À très bientôt. Ciao, ciao.